Me revoilà parmi vous pour un haul nose. Donc vous m'avez bien manqué, j'étais en vacances, j'ai passé d'excellentes vacances. J'espère que vous aussi. Et puis voilà. Je sais plus ce que tu veux dire. T'as vu ça? Ouais, je m'embrouille, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo, mis à part mes vlogs tout court là. Donc voilà, donc je reviens comme tous les vendredis pour un haul nose. Nose m'a énormément manqué. Et toute l'équipe d'ailleurs. Donc voilà, mais avant tout, je vais vous montrer quelques... Avant de commencer par mon haul nose, je vais vous montrer les produits que j'ai reçus gracieusement de Octoly. Donc tout d'abord, j'ai reçu cette trousse de couleur saumon, on va dire ça. Et c'est de trousse colorful. Voilà, de chez Sephora, donc que j'ai reçu gracieusement de la marque Sephora. Donc c'est une trousse comme ceci, elle peut s'agrandir avec des couleurs flashy. Moi j'ai commandé la trousse large parce que j'ai beaucoup de produits à mettre. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos pour cette petite trousse. Ensuite, de la marque Bumble and Bumble, un spray finish, c'est un spray volumateur. Donc, si vous avez les cheveux plats et tout, vous avez envie qu'il y ait du volume, eh ben, je vous le conseille, il est super génial, je l'ai essayé. Et en plus de ça, ils vous disent spray sec, donne une texture aérienne et un galbe instantané à votre chevelure. Et c'est tout à fait ça, donc ce qu'ils promettent, voilà, ce qu'ils promettent, ben vous avez compris, je m'embrouille là. Voilà, si vous avez remarqué, j'ai fait des extensions de cheveux, voilà, au fil, bon, ben, je termine déjà avec Bumble and Bumble, c'est un excellent produit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Donc c'est le Dry Tone Finish, spray de finition, et il est excellent, texture aérienne et ça fait du volume. Voilà les filles et les garçons, donc je vous ai dit que j'ai fait une extension de cheveux, comme je vous ai dit, c'est de l'extension aux cheveux, c'est des extensions aux cheveux naturels au fil. Par contre, je ne l'ai pas fait ni à chaud ni à froid parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec le chaud, le truc à chaud et à froid. Donc maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous et toutes. Donc, c'est mon haul nose. Donc, je vais commencer par des bougies que j'ai trouvées de la marque Sense, Estée Florence. Et celle-ci, c'est une odeur de Sweet Hope. Donc, j'oublie. Oui, mon cœur. N'oublie pas de dire je suis malade. Oui, alors, donc, ma fifi, elle est malade. Elle tient à ce que je vous le dise. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas partie à l'école. Donc, cette bougie, elle m'a coûté 1,29€. Et elles sont trop bonnes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je l'ai achetée. Et je veux vous la faire sortir pour que vous voyez. Bon, ben, je vais déchirer le papier. Voilà, donc ça se présente comme ceci, un photophore tout à fait simple et ça sent super bon à 1,29€ et c'est la senteur Sweet Hope. Donc voilà, j'en ai pris deux, une autre à Pure Harmony, mais c'est quoi ce truc? Pure Harmony et ça sent la cannelle et ça sent super bon. J'adore cette odeur plus que celle-ci, donc voilà. J'adore, 1,29€ toujours. Bon. Ensuite les filles et les garçons, on va passer à la beauté. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté mais j'ai, vous allez voir. Donc ensuite j'ai pris un Pink Spring, c'est la senteur Pink Spring hein, de la marque Body Secret. C'est un bath and shower gel, donc c'est un gel douche et un bain douche. Comme ma fille elle adore prendre les... Comment ça s'appelle? Les bains, voilà. Donc, elle, oui, toi et ta grande soeur, mon cœur. Donc, voilà, et c'est une contenance de 1 litre à 1,99€. L'odeur est trop bonne, ça sent super bon. Ensuite, j'ai pris de la marque, c'est quelle marque en fait? With Sea Salt, New With Sea Salt, c'est avec du sel de mer, voilà. Salt Scrub, c'est un scrub au sel
et c'est ginger and mint avec l'huile, la menthe et le gingembre, avec l'huile d'amande et l'huile d'avocat. C'est un body scrub tout à fait... En fait, il est rigolo ce truc parce que c'est vraiment du... Oui, mon corps, c'est l'après-midi. C'est vraiment du sel. C'est le sel et ils ont rajouté de l'huile d'amande et de... Je vous ai dit, c'est avec du sel de mer, du vrai sel de mer. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait, vraiment, c'est des graines de sel. C'est le vrai sel. Peut-être que vous pouvez le faire, les filles et les garçons. Donc, ce truc, je l'ai acheté à 3,90€. Donc, vous pouvez le faire. Ben, si vous avez l'huile d'avocat, l'huile d'amande et gingembre et menthe, peut-être hein, avec les huiles essentielles, vous pouvez le faire. Hein, avec du sel de mer, vous l'achetez et puis voilà, ça serait un dalle, bien douaille, si vous voulez. Donc voilà, 3,90€, je vais l'essayer, je ne l'ai pas encore ouvert, il y a l'opercule, donc je préfère ne pas l'ouvrir parce que j'ai d'autres... scrub à utiliser, les filles et les garçons. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris pour ma Fifi des puzzles comme ceci. Ils étaient à 2,90€, 5 en main. Donc qui dit puzzle, voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube qu'il y avait ces petits paniers. Donc j'en ai pris, ils étaient à 99 centimes. J'en ai pris comme ceci. Alors, ça c'est emboîté. Voilà, c'est trop joli. Donc, du coup, j'en ai pris deux en rouge. Ensuite, j'en ai pris deux en violet, comme ceci. Voilà, elles sont tombées. Pour 99 centimes, les filles et les garçons, je me suis dit, why not? Pourquoi ne pas en acheter? Voilà. Ensuite, j'en ai pris en rose. De comme ceci pour mettre plein de trucs, le maquillage, les trucs pour le bain et tout. C'est du fer qui est plastifié, je suppose. Pour ne... Moi, mon cœur, je t'en donnerai. Ensuite, j'ai pris des carrés comme ceci. Elles ont une plus grande contenance, donc j'en ai pris 3. Non, c'est pas plastifié, les filles et les garçons, c'est que de la peinture. Voilà. Donc, 3 carrés comme ceci. Donc, si vous voyez bien, moi je trouvais ça trop beau. J'ai vu qu'il y avait des youtubeuses qui en ont acheté. Et merci, parce que hein, quand on suit des youtubeuses, certains qui vont faire des haul lance, donc on le sait. J'en ai pris en rose aussi. Donc, comme ceci. Voilà, j'en ai pris 3, les filles et les garçons. Voilà, donc j'en ai pris 3 des grands carrés. Ensuite, les filles et les garçons, on va dire au revoir au beau temps. J'ai pris des collants de la marque Murat. Voilà, j'en ai pris. J'ai pris celle-ci en noir, hein, parce que moi, j'utilise que les noirs. Donc, à 1,99€. Une autre de la marque Vivi. 40 deniers, ouais. De la microfibre à 1,75€. Et ensuite, de la marque Vivi, 20 deniers push-up. Donc, je l'ai pris celle-ci à 99 centimes. Donc, je commence à faire le plein avec les, comment ça s'appelle, les collants, parce que j'aime, en fait, j'aime. Voilà. On en a besoin et vu le prix, je me dis, why not, il faut faire son petit stock. Ensuite, toujours pour ma fille, j'ai pris ce livre de coloriage pour les activités. Et il est à 2,99€ et à la base, il est à 7,50€, les filles et les garçons. Donc, vous voyez la différence de prix. Ensuite, comme vous savez, j'adore tout ce qui est papeterie, petit carnet et compagnie. Donc, j'ai pris déjà un agenda 2016-2017 à 3,50€. Oui, mon cœur, non, mon bébé, non. Puis, et les garçons, comme je vous ai dit, ben, j'adore la papeterie. Et donc, j'ai pris un agenda Love Pink 2016-2017, plastifié. Il est tout mignon, tout beau. Et comme je vous ai dit, j'oublie tout. Et la dernière fois, en fait, j'avais plus mon portable. Pendant un mois et demi, je suis restée sans portable. Donc, je ne pouvais plus noter. Donc, je me suis dit autant, parce que des fois, si le portable nous lâche, il vaut mieux avoir les choses sur papier. Voilà les filles et les garçons. Ensuite, en papeterie, j'ai pris de la marque Elle Working Girl, comme ceci, à 1,60€. Ah oui, excusez-moi, l'agenda, je l'ai pris à 3,50€. Et un petit cahier comme ceci,
tout mignon, tout beau de la marque Elle, Working Girl, comme je vous ai dit, de Claire Fontaine. Je pense que c'est des éditions limitées à 1,60€. Il y avait les petits et les grands, les filles et les garçons. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai trouvé ça. C'est comme je vous ai dit, des éditions limitées, c'est écrit derrière. À 2,49€. J'ai adoré la photo. Je l'ai trouvée trop belle, super girly. Donc, noir avec un fond dentelle. Bon, vous voyez, c'est pas la peine que je commence à vous dire ce qu'il y a. Voilà. Donc, voilà, comme ceci. Et celui-ci, il était à 2,49€. Il y en avait aussi en fond blanc. Moi, j'ai préféré fond noir sur le rose. Ça ressort plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des petits carnets comme ceci aussi. Claire Fontaine, elle, édition limitée à 1,80€. Voilà. J'ai pris celui-ci aussi à 1,80€. Voilà. Avec le petit élastique. Ensuite, un en rouge. Voilà, c'est toutes les éditions limitées. J'ai trouvé ça super joli, super girly. Et le dernier, c'est les cakes de Bertrand. 1,99€. Un petit carnet comme ceci avec des feuilles blanches et aimantées à glisser dans son sac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Il ne faut pas que je vous... Ah oui, un truc tout bête. 1,75€. Une petite panière avec des pinces multicolores jaune, verte, bleu et rose. Voilà, donc à accrocher parce que ces pinces-là, elles disparaissent. C'est comme les chaussettes dans la machine à laver. Voilà, donc à accrocher, comme ça, on ne les perd plus. Ensuite, les filles et les garçons, vous le savez, comme tous mes haul knows, je termine par mon article chouchou que j'adore. Sauf que là, il y en a deux que j'ai trouvé à la fin. À côté de la caisse grâce à un monsieur qui est venu chercher ce que je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé les filles et les garçons de la marque Stéphane Joseph. Ça, la petite boîte se présente comme ceci, c'est une boîte cartonnée, voilà. Et à l'intérieur, les filles et les garçons, il y a les petites bottes de pluie avec une chouette trop girly choupinou. C'est trop beau. Donc, elles sont, je les ai prises à 5,99€. Elles sont trop belles, les filles et les garçons. Elles sont trop belles. Donc, je les ai prises en pointure 28 pour mon bébé d'amour. Donc, voilà. Donc, elles sont super belles, super jolies. Et chaque année, en fait, chaque année, l'année dernière, depuis que je connais Nose, j'achète des bottes de pluie là-bas. Mais celles-ci, elles sont vraiment de qualité. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit juste Stéphane Joseph. Donc voilà, mon article chouchou d'amour pour mon bébé d'amour. Ensuite, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le petit ciré comme ceci qui est à 7,99€. Mais vraiment les filles et les garçons, si vous êtes à Montpellier, allez-y, allez-y, hein, parce que je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et en plus, je suis trop contente. Et c'est trop beau avec la petite capuche derrière, les petits détails élastiques là, le petit revers, voilà, qui fait le rappel des petites fleurs ici, la petite chouette devant, derrière. Donc, je trouve ça. En plus, avec le petit cintre, hein, Stéphane Joseph. Donc, je pense que c'est un créateur. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas fait la recherche sur Internet pour vous dire qui était ou qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Mais voilà, donc à 7,90€ et les bottes à 5,99€. Donc, et parce que le beau temps, voilà, c'est la fin de l'été, les filles et les garçons. Donc, je me suis dit, c'est super génial. En plus, il est avec la doublure et tout. Et en plus, vous avez marqué le nom, le prénom de votre enfant. Donc, qu'est-ce qu'ils disent là? Ben, je ne sais pas. Intérieur 100% coton en plus, ben, c'est parfait. L'intérieur 100% coton, donc voilà, la marque, de toute manière ça se voit que c'est de qualité et voilà, là vraiment les finitions, elles sont au rendez-vous, c'est parfait, c'est génial les filles et les garçons, je suis très contente de mes deux articles chouchou d'amour de la fin de mon haul Nose. En tous les cas, je vous remercie
d'être toujours là. Je remercie mes anciens abonnés pour leur fidélité. Les nouveaux, je leur dis bienvenue sur ma chaîne. Et je vous remercie pour tout, pour votre gentillesse et pour tout, d'être toujours là avec moi, de me suivre. Donc voilà, et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner aussi. Donc voilà, gros bisous les filles et les garçons. Ciao, ciao.